got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and double. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A phone in affection. I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a who line for nothing. I see that we different. You riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places. I know that they sunken. Don't call me your brother. I barely could trust it. I talk to a shorty. She bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate. So hand me the money. I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson, that's word of the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. All the pictures, dimensions. I don't with your digits. I mean it, I'm staying inside. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. Cause bon, voilà, je profite qu'il n'y ait pas de musique là. Ils ont bien baissé. Donc moi je peux parler. Pendant que je sors de la salle, petite séance quadri finie. Maintenant en direction kiné. Dans une heure, direction kiné. Ça fait deux semaines que j'ai pas vu Aline, du coup, vu que la semaine dernière j'étais avec Oliver, donc on va voir ce qu'elle pense des progrès, mais c'est franchement prometteur. Allez, je vous laisse ici et je vous reprends directement chez le kiné. Mais ça, mais même hors blessure, même hors blessure, ça c'est pas vraiment dans le truc. À partir de là, on va dire, je commence à sentir la gêne à l'intérieur, tu vois. Okay. Essaye de laisser ton épaule basse là. Je suis désolée. Épaule basse là. Okay. Si je montais plus, forcément, je vais le replacer. Ok, oublie l'épaule basse, fais tout le mouvement. C'est 2 kilos. Okay.
9 kilos, on fait ça. Ça, je peux faire à 4, j'ai pas 14. À 14, bien. Ça, ça va. Que ça allait faire mal ça. Là, tu vas faire quoi? Je vais un peu essayer de l'hélice, les muscles ici, les mettre en place. Non mais franchement, mais zéro douleur. Non, je rigole. Oh, mais alors
grave ça. Mais fais attention. Yeah, I trust you because you know what you're doing, but yes. Still. Oh. You want my this? Ah, je me déboîte. Ah. Tu m'as dit que ça allait pas être trop douloureux. Ah. Pas pour très longtemps. Non, tu me fais trapper, ça me prend même jusqu'à dans l'oreille. Non, mais écoute. J'ai plus de bande dorsale, tu peux y aller. On est parti. Oh, oh. J'aime bien comment tu parles de ça. Il est parti. C'est pas que tu es déprimé et tout. Combien ça va te prendre du temps pour retrouver tes muscles? Ben là, je pars en sèche à partir de lundi, donc c'est pas la condition optimale pour retrouver, mais c'est pour virer du gras. Ah, ailleurs. Mais sinon, d'ici 2-3 mois, je pense. Ça, je peux quand même m'entraîner, donc du coup. Même si je mets pas lourd, je fais des séries longues à l'échec. Du coup, je refais de l'hypertrophie. Donc. Tu vois, 2 mois d'arrêt, 2 mois de reprise, donc je pense qu'en 4 mois en tout. Et ça va revenir. C'est tout. Ça suffit. Ça te suffit. C'est bon? Oui. C'est bon, t'as fini de me tuer, t'es sûr? Bon, session kiné terminée. Il y a encore eu quelques douleurs, notamment la fin sur le massage. Je crois que c'était encore pire qu'avec Oliver. Donc voilà, c'est le massage pour débloquer tout ça, quoi. Les fascias, etc. pour vraiment regagner en amplitude sur l'épaule et surtout les muscles autour de l'épaule qui participent à tout ce qui est rotation externe et compagnie. Donc c'est très profond, elle m'a déboîté. Et quelques exercices qui font très très mal. Vraiment tout ce qui est rotation externe, là c'est vraiment le gros point faible encore du moment. Bon, ça fait que 3 semaines donc ça va, mais c'est vrai, c'est le truc qui m'handicape le plus, quoi. Donc on va voir ce qu'a donné cette séance en termes de résultats sur les prochains jours. Et puis après, tous les jours, travail. Il n'y a pas de secret, comme disait Oliver dans la dernière vidéo. C'est pas comme les gens qui font uniquement leur séance de kiné de la semaine et qui ne font plus rien à côté. Voilà, moi je m'entraîne tous les jours. Je fais mes exercices de réhab tous les jours. C'est très rare que je saute une journée ou vraiment quand j'ai quand même un petit peu des douleurs à l'épaule. Mais sinon, je le fais. J'ai mes exercices de réhab tous les jours, donc il n'y a pas de secret, hein. Plus t'en fais et plus vite tu récupères de toute façon. Donc, ben on continue, tout simplement. Putain, je suis fatigué, là, ça m'a endormi. Ça m'a endormi l'après-séance. Mais on va pas se laisser endormir parce que là, je rentre chez moi, je reprends une partie de mon goûter, j'avais mangé un petit bout en rentrant de la salle. Et là, je vais terminer mon goûter et ensuite, je pars directement travailler. J'ai un coaching à la Princess Tower ce soir. Moi, je vais sûrement vous laisser là pour cette vidéo. Maintenant, le kiné, c'est une séance par semaine. Donc, pour tout ce qui est vidéo kiné, ce sera qu'une seule séance par semaine. Moi, je vais quand même continuer. Je vais quand même suivre toute la rééduque. D'ailleurs, j'attaque ma mini-cut lundi. Hein. D'ailleurs, je mets mon programme... J'ai carrément fait, c'est un e-book carrément le truc que j'ai fait, qui est dispo en téléchargement. À la limite, je mettrai mon mail, vous me le demandez par mail. Je mettrai même le lien carrément, un lien pour pouvoir le télécharger directement. Un lien de paiement téléchargement et vous pouvez suivre ça avec moi. C'est une mini-cut sur 8 semaines. Avec même un petit concours photo associé, photo avant après pour ceux qui veulent et avec quelque chose à gagner à la fin, ça va être top. Donc j'ai hâte, moi je pars en mini-cut à partir de lundi. Maintenant que je peux recommencer à m'entraîner
pas complètement, mais convenablement même du côté blessé. Donc je pars sur une petite mini cut pour dégraisser un petit peu tout ça, les 5 kilos que j'ai pris depuis. Allez, il y en avait un petit peu après, depuis les fêtes. Et après, depuis la blessure, j'ai augmenté volontairement mes calories pour protéger au maximum ma masse musculaire. Enfin bref, à la limite, je vous reparlerai d'ici là, parce que là, on est mardi quand je vous sortirai la vidéo. Je pense que je referai une vidéo peut-être dédiée sur le programme mini-cut qui sort là. Enfin bref, bon, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un gros pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, comme toujours, à partager les vidéos autour de soi. J'espère que ce genre de contenu vous plaît. Hein. Si c'est le cas, vous me le mettez en commentaire ou si vous voulez voir d'autres choses. Je vais aussi reprendre les visites de salle bientôt, ça y est. Hein. Maintenant que je peux rebouger, on va recommencer ça. Il y en a encore plein que j'ai pas filmé, donc c'est cool. Ça fait vraiment beaucoup de contenu à venir, donc ça, c'est génial. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée ou belle soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très vite.